Eh ben, dis donc. On dirait qu'on a trouvé la fête. On dirait qu'on arrive un peu tard. Hé, hey, Nate. Regarde ça. Encore un autre seau. C'est pas vrai. Quoi ? C'est eux. Ce sont tous les capitaines pirates qui ont fondé Libertalia. Qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Je suis pas un expert scientifique, mais d'après ce que je vois, je dirais... du poison. Apparemment. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre ? Est-ce que c'est... un suicide collectif entre riches pirates ? Un rituel ? Ça m'étonnerait. C'est pas tellement le genre. Au nom de Lord Avery, je vous invite dans mon manoir demain au coucher du soleil. Il est désormais grand temps d'abandonner nos animosités et de tous nous réunir sous la bannière de Dieu et de la liberté. Signé Thomas Tew. Tu paries quoi ? Thomas Tew ? Henri Avery ? Nos chers hôtes n'ont même pas pris la peine de nettoyer derrière eux. C'était vraiment pas très courtois de leur part. Ok, on reprend. Comme on pouvait s'y attendre, ils se sont mis tout le monde à dos quand ils ont voulu s'approprier le trésor. Ils se sont d'abord occupés des colons. Ensuite, ils se sont retrouvés face à face. Et c'est là que la situation est devenue... incontrôlable. Du coup, Avery et Tew les ont tous réunis là. Pourquoi déjà ? Pour abandonner nos animosités. Abandonner leur animosité. Pendant le dîner, Avery lève son verre et il trinque. Adieu et à la liberté ! Morbleu, ohé matelot, etc. Et ils boivent tous une gorgée. Sauf deux. Et comme ça, d'un coup, le trésor de Libertalia appartient dans sa totalité à deux hommes. C'était les pirates les plus redoutés de l'histoire. Et ils sont tous morts. En un claquement de doigts. Ici, à cette table. C'est incroyable. Ouais. Je suis vraiment désolé. Désolé. C'est pas grave. Donc, étant donné que nos hôtes ne se trouvent pas ici, au manoir de Tew... On devrait aller faire un tour chez Avery ? Ouais. Allons-y. Tiens. Pour la postérité.